Bien, Atreus. Écoutez, j'entends une voix. Encore un elfe? Je crois pas. Ça vient de là-haut. La voix, elle est juste derrière ça. Oh! Elle demande si on veut s'entraîner. La porte est fermée. Prépare-toi, Atreus. Oui, père. À droite, des sur la droite. J'essaie à vouloir s'arracher les yeux, mais j'ai réussi à l'arrêter avant qu'il n'y parvienne totalement. Je l'ai ensuite convaincu que c'était là un sacrifice qu'il avait fait afin d'accéder à une forme supérieure de clairvoyance, blablabla, etc., etc. J'ai un temps pensé qu'il y avait cru, mais le jour où il a pris mon œil, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été vu. Tu sais quoi? Je te la dirai plus tard. Go!
Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Allez, du balai! C'est un cadeau des géants. Puisque je passais mon temps à voyager entre les royaumes, ils se sont dit que ce serait plus pratique que de transporter un cristal avec moi. Non, j'avais eu la sagesse de me fortifier avec 16 coupes de la bière des filles des Guires. J'étais tellement saoul que j'ai essayé de convaincre les géants de les mettre dans mes tétons à la place. J'ai failli réussir d'ailleurs, vous imaginez? Mimir téton de Bifrost. Ah, c'était le bon. Ça va, ça va. J'arrête. C'est bon.